à mon réveil. Il y avait comme un grand vide dans le ciel. Mon paysage n'était plus pareil. On a volé la tour Eiffel. Tout d'abord, évidemment, j'ai cru rêver. J'ai demandé à ma maman de me pincer. Mais rien à faire, c'était bien réel. On a volé la tour Eiffel. Par la fenêtre, j'ai vu des piétons qui s'attroupaient comme des moutons sur les ponts. Souvent c'est bête, va me l'expliquer. Un seul objet vous manque et tout est dépeuplé. À vrai dire, je n'y étais jamais monté. Je passais souvent sans même la remarquer. Mais j'étais triste, qu'elle manque à l'appel. On a volé la tour Eiffel. Dans tout Paname, y'avait des agents qui surveillaient consciencieusement. Il était temps. De Notre-Dame jusqu'à l'Élysée, tous les monuments qui restaient à voler. On fouillait les gens, mais on ne trouvait rien. Le coupable était sans doute déjà loin. Aucun indice des professionnels avait volé la tour Eiffel. Et malgré les primes, malgré les appels, il y a toujours un grand vide dans le ciel. Certains prétendent qu'elle s'est fait la belle. Non, on a volé la tour Eiffel.